Les potes, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Vous vous rendez du coup dans boutique d'objets, vous cliquez sur soutenir un créateur et vous rentrez le code FULLBOSS les amis. Et n'oubliez pas de cliquer sur accepter. Merci à tous ceux qui le mettront, bon visionnage. J'étais tranquillement en train de sortir de chez moi et juste devant moi j'ai aperçu du coup 4 portes du coup qui étaient du coup dans un énorme bâtiment. Et ce que j'ai décidé de faire directement c'est de faire une vidéo et d'aller directement rentrer dans les 4 portes pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, directement, il y a 3 portes devant moi qui ont du coup la même couleur, la même forme. Donc ce sont des portes en bois. Et comme vous pouvez le voir, juste à droite, il y a une porte un peu mystérieuse qui est du coup bleue, d'une drôle de forme et tout. Elle a l'air vraiment enchantée. Il est même marqué, regardez, porte interdite. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on ira à la fin de la vidéo découvrir cette porte. Du coup, je compte sur vous pour aller jusqu'au bout de la vidéo. Et vraiment, vous allez voir, vous allez kiffer cette vidéo parce qu'on a du coup 4 portes aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir aussi, les 3 portes en bois comportent du coup la première avec, il y a écrit du coup, rentrer avec beaucoup de moula. Donc ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va aller chercher un peu d'argent, parce que peut-être dans cette porte on aura besoin d'acheter des choses. Ensuite dans la deuxième il y a écrit du coup mine de Didier. Donc à mon avis ce qu'il faudra faire c'est du coup peut-être récupérer une pioche, ça pourrait être pas mal intéressant. Et du coup la troisième marquée Oggy le troller. Ah bah là j'ai bien envie de savoir un peu ce que va nous apprendre du coup Oggy en termes de troll. En tout cas ça va être assez sympa cette vidéo, donc je compte sur vous pour que tout le monde mette un gros pouce bleu et que du coup tout le monde s'abonne à la chaîne. Ça ferait vraiment mes super plaisir les potes. Et n'oubliez pas surtout que si vous voulez et que si vous jouez surtout à Fortnite, vous pouvez du coup me soutenir dans la boutique, voilà, avec le code du coup FULLBOSS. Voilà les potes, et ça ferait vraiment trop plaisir. Il y a aussi sur Rocket League, hein, vous pouvez me soutenir, hein. Donc s'il y en a qui jouent à Rocket League, n'hésitez pas, hein. Si vous jouez beaucoup, vous pouvez mettre mon code, ça ferait plaisir. Du coup on est parti les potes pour aller en direction du coup de la première porte. On va toquer directement, hop, on va toquer. Nickel, on va voir du coup il y a qui. Oh, oula, bonjour madame, bonjour, vous allez bien? Oh, vous avez sorti le tablier là, vous avez fait des bons gâteaux, c'est ça? Ah, c'est ça, pourquoi il fallait de l'argent? Ah bah cool, du coup, combien ça vous coûte, combien ça coûte alors un gâteau fait maison là? Ah, vous avez de l'argent, mais je savais que vous étiez un client fidèle, allez venez. Ah, il y a encore une salle derrière, en tout cas c'est super cool les potes, comme vous avez pu le voir, on est du coup avec une grand-mère qui du coup fait des gâteaux, et du... Oula, on est où là? Ah mais attends, mais c'est pas une épicerie en fait ici, c'est quoi là? Bon, t'as pas payé moi. Quoi? Oula, bah du coup ça coûte combien le gâteau madame? Bah c'est pas un gâteau là. Ouais, c'est quoi ça? C'est pour aplatir les crêpes? Non, c'est pour danser dessus. C'est pour danser, what? Attendez, mais vous faites des danses. Oula, et du coup ça coûte combien pour faire une danse là? C'est 500. 500? Wow, mais ça coûte cher. Bah attendez madame, je vous donne tout ce que j'ai sur moi là. Tout ce que j'ai sur moi, j'espère que ça fera l'affaire. Oh, je suis riche. Hey, madame, revenez là. Oh, madame, revenez. Hey, du coup là, le contrat là, je veux voir une danse là. Mais c'est quoi cette histoire là? Je me suis fait mais complètement carotte, les potes. Je dois avoir une danse normalement d'une grand-mère. C'est quoi, on va attendre qu'elle revienne et elle va me faire ma danse, t'inquiète pas. Là on va rester là en attendant. On va regarder dans le coffre s'il n'y a pas quelque chose. Ok, là il y a quoi, des gâteaux? Ah ils sont bons hein, il est beau son gâteau franchement. Miam miam miam. On va manger son petit gâteau les potes. Hop là. Bon, est-ce qu'elle revient du coup la grand-mère? Ah madame, vous êtes là. Du coup j'ai pas demandé c'est quoi votre nom vous? Moi si tu peux m'appeler grand-mère. Ah grand-mère. Bon bah grand-mère, vous avez... t'as quel âge grand-mère du coup? J'ai 97 ans. Oula, et vous savez faire... Vas-y, je veux bien... Allez, faites-le... Casse-toi pas le dos, hein, grand-mère. Et faut chanter aussi. Non, comment ça, faut chanter? Bah, faut mettre l'ambiance, là. Je m'ennuie, là. J'ai donné beaucoup, quand même. Hein. J'espère que la danse, ça va être bien. Oh, viens, je te chope par l'oreille. Aïe, aïe, aïe. Oh, wow. T'as vite teinture grise, là. Mmh. Hey, c'est de l'arnaque. Ah, vas-y. Tu me dégoûtes là, c'était nul. Tu sais quoi, je vais. En plus, c'est illégal ça, c'est totalement illégal. Je vais aller voir la police. T'es où? Mais je suis là, espèce de grand-mère. Elle m'avait perdu de vue, mais elle est vraiment trop bête. Ah, c'est vraiment une grand-mère, elle fait pas exprès. Hein. Bon, tiens, reprends tes petits jouets là et amuse-toi avec. Oh, hein. Oui. Ouais, hey, je vais le dire à tes petits-enfants là. Wesh! Wesh, je faisais quoi avec moi, les potes? En tout cas, là, je vais te balancer ces petits-enfants là. Franchement, la grand-mère là, elle fait des trucs vraiment bizarres. Hein. Wesh! Non, il n'y a pas de petits-enfants. Ouais, ouais, t'as des petits-enfants toi? Tu dis ça, je te jure, je te retrouve. Ouais, je vais leur dire, je vais leur montrer la vidéo là. Et vous restez bouche bée. Bon. Allez, en tout cas, let's go. Ça, c'était pour la première porte. On va du coup se diriger directement vers la deuxième.
Bon, let's go du coup pour aller directement dans la deuxième porte. Du coup, c'est écrit mine de Didier. Donc, on va voir du coup qui est ce Didier. C'est parti. Donc, on va toquer, on va voir s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ? Oh, bonjour Didier. Ah, c'est toi, attends, c'est toi Didier ? Tu ressembles fort à quelqu'un d'autre, oui, toi. Ah ouais ? Mais. Tu serais pas full boss ? Bah ouais, bah si, c'est moi. Ah, mais c'est Libiz en fait. Ah, bah ouais, mais je me dis, c'est bien en fait que tu ressembles pas du tout. Enfin, tu t'appelles pas du tout Didier, quoi. En fait, j'ai mis Didier pour pas qu'il vienne. Ah ouais, c'est une petite technique secrète. Wow, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Là, on dirait que vraiment, mais t'as plein d'argent, là. Comment c'est que t'as plein de minerais comme ça, là? J'ai pas de pioche, je sais pas les miner, ah, t'as en fait. Pas de pioche? Wow, mais attends, mais là, parce que là, du coup, il y a quand même énormément d'argent. Regardez, les potes. Là, il y a de la redstone, il y a de l'or, du charbon. Wow, t'as trouvé plein de diamants aussi. Oh, wow, oui. Et comment t'as trouvé cet endroit, en fait? En fait, je me baladais, je voulais te rendre visite, mais j'ai vu ça, donc je suis... Ah ouais, t'es vraiment... Et là, du coup, ça fait des heures que tu bouges pas, en fait. Et bah, tu sais quoi, ça tombe super bien, parce que du coup, j'ai une pioche sur moi. Et ce qu'on va faire, si tu veux, vu que c'est toi qui l'as trouvé, et que c'est moi qui ai l'outil, je pense qu'on va, du coup, se répartir, bah, un peu... tu sais quoi, je prends... Sur 10 diamants, j'en prends 8 et je t'en donne 2, du coup. Vas-y. Vas-y, bah, parfait. Ça fait moitié-moitié, tu vois, vu que toi, t'es fort en maths, en plus. Ah ouais, t'as vu la grand-mère à côté? Bah ouais, elle est bizarre, gros. Est-ce que t'as été la voir là dans derrière sa cuisine là? Ouais. Et je croyais qu'au début c'était une grand-mère qui faisait des gâteaux. Et c'est pas, je vois là, elle commence à me montrer une salle bizarre là où elle danse et tout. Est-ce que toi aussi elle a dansé? Mais non, moi je lui ai donné l'argent, elle s'est barrée. Ouais, moi aussi elle a vu ce time. Mais vas-y, en plus c'était éclaté. Elle a fait des trucs bizarres. Et j'ai dit quoi, j'ai filmé et je lui vais le montrer à ses petits enfants, je pense. Bon, en tout cas, là, les potes, regardez ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré, du coup, pas mal pour le moment de minerais. Pour le moment, j'ai déjà 4 diamants. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu donnes la moitié, hein? Ouais, la moitié. Bah oui, la moitié. Bien sûr. En tout cas, là, franchement, on va se mettre, du coup, très, très bien. En sachant que, dernièrement, il y a Oggy qui m'a volé pas mal de diamants. Donc là, je vais pouvoir, du coup, récupérer pas mal. Je vais pouvoir, du coup, un peu rembourser bah, les pertes. Donc ça, c'est assez cool, hein. Donc franchement, bah... Hop. En tout cas, et toi, sinon, ça va bien? Bah moi ça va. Hein. Hop, on va tout récupérer. Donc tu fais quoi alors en ce moment là? Bah là j'étais en train de d'essayer d'attendre que quelqu'un vienne m'aider et voilà. Exactement, mais sinon t'aurais pu demander à la grand-mère, non? Ouais non, elle t'aurait tout volé. Ouais, non. Ouais, elle t'aurait bien arnaqué. Bon bah en tout cas frérot, c'était vraiment super cool hein. Et bon allez hein, je te dis ciao hein. Salut hein. La moitié. Voilà hein. En tout cas les potes, c'est bon. Je me suis mis très très bien en termes de thunes. Ah oui, pardon, j'avais oublié, mince. La moitié du coup. Bon du coup j'ai pu récupérer deux diamants. Donc voilà, deux diamants, donc ça fait un. J'ai pu récupérer trois émeraudes, donc je t'en donne bah allez, je t'en donne deux parce que je suis gentil, tu vois. Tu vois, t'as vu là, j'en ai trois, je t'en donne deux quand même, je suis gentil hein. Vous avez vu les potes, hein, on est d'accord hein. Et voilà, bon allez, salut Libiz hein. Oh là là les potes. Et surtout dites pas dans les commentaires que je l'ai un peu arnaqué. Enfin bon, je l'ai pas vraiment arnaqué hein. J'en ai donné un alors que j'en ai encore 7, tu vois. Donc on va dire que je me suis mis quand même très très bien. Donc ça c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre tout ça chez moi après. Donc tu sais quoi, je vais directement le mettre chez moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se retrouver après du coup pour le pour la troisième porte hein. Et du coup je vous dis à tout de suite les potes. Bon les potes, on est parti pour la troisième porte secrète. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, parce que juste après on ira voir du coup la porte mystérieuse qui se situe juste à droite. Et franchement elle m'a l'air vraiment ultra géniale. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par du coup la porte de Oggy. Donc il est marqué Oggy le troller hein. Donc c'est parti, on va toquer, tu sais quoi, on va demander si on peut entrer. Oggy, je peux entrer? Entrer. Ok, j'arrive. Hop là. Oh Oggy, t'es où? Oh salut Oggy, ça va? Ça va, vas-y. Waouh, 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 sors-moi de là. Ah c'est chaud. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est chaud, c'est chaud. Arrête. Ah c'est pas drôle, c'est chaud. Ah, j'ai les pieds qui brûlent. J'ai les pieds qui chauffent là. Ah, vite, fais-moi sortir de là. Ah, ah, vite. Waouh, ah ça chauffe. Arrête. Waouh, ah t'es un malade. Pourquoi t'as fait ça? Eh, tu sais que c'est dangereux la lave, hein. Ça, j'aurais pu brûler. J'étais trollé. Ah ouais, bah bien vu. Bah en tout cas, mettez une petite note sur 10 au troll de Oggy. Franchement, très bon troll, hein. Et attends, mais du coup, franchement, ça fait plaisir. Non, ça fait pas plaisir du tout. Attends, tu me dois quelque chose, toi, non? De quoi? Bah, mes diamants. Tu m'as volé mes diamants l'autre fois. Ah, waouh! Waouh, reviens tout de suite. Reviens, Oggy. Oh, les potes, sale voleur. T'es où, Oggy? Il est parti où? Là-bas. Vite, reviens là. Eh, les potes, ils t'en rendent tous mes diamants. Eh, tu m'en as volé plein. Oggy, reviens. T'inquiète, je t'offrais pas de mal. Oh, tu vas où là? Non, il va pas chez le. Il va où là? Il va chez le neighbor?
Ouais, t'es un ouf. Qu'est-ce qu'il... Oh, ouais, ouais, les potes, je vais pas là-bas. C'est bon, le neighbor, il est bizarre en plus. Bon, tant pis. Tant pis pour l'argent. De toute façon, un jour, je l'aurai, ok. Je vais le choper un jour. Je vais le choper. Regardez-le, là, il est dans la maison. De toute façon, un jour, je le retrouverai. Regarde-le. Eh, hey, reviens. Reviens, eh. Hey, reviens. Quoi, t'es sérieux? Ouais, wow, il est sérieux, regardez. Il monte ses fesses devant moi. Mais non, mais vraiment, là, je vais me venger, les potes. Vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, du coup, la quatrième porte de la vidéo. Du coup, la dernière. Et du coup, à tout de suite. Bon, du coup, c'est parti pour la dernière porte. On va directement toquer. Donc, cette porte, je n'ai aucune idée de qui est derrière. Hein. Donc, c'est... Oh! Wow! Oh! Oh, salut, salut, cool, ça va? Ça va, ça va, toi? Eh ben, franchement, ça fait super longtemps. Enfin, super longtemps, ouais, quand même. Un petit moment que c'est pas vu. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? En fait, je t'explique, c'est trop beau là. Faut que tu m'aides à. Ah, c'est vrai que t'as changé de déco là. T'as mis des petites lianes bleues et tout. Franchement. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que t'as quand même donné la version rouge de ça et de ce truc là. Et si tu veux, je peux te le changer. Hein. Y'a vraiment pas de problème. Surtout que moi, je suis un bon. Je suis fort en tout ce qui est herbe et tout là. C'est vraiment trop beau. Et moi, j'aime pas tout ce qui est beau. Ah ouais, t'aimes pas ce qui est beau. Toi, t'aimes bien quand c'est moche, ça pue et du sang quoi. C'est ça? Ouais. Ah, ouais, exactement, ça, c'est ça le clown. Bah, du coup, n'hésite pas à m'en donner vraiment beaucoup. Genre 60. Ah voilà, parfait, ça fait plaisir. Du coup, bah je vais pouvoir t'aider, je pense. Ah, mais ça, en fait, ça se met sur quoi en fait? Ah voilà, ça se met directement du mur en fait. Du plafond, pardon. Et là, au moins, tu peux du coup régler. Oui. Oh, c'est ça, tu préfères du coup? Oui, mais par contre, il y a trop de lumière au rire. Ah, il y a trop de lumière. Ah oui, mais là, par contre, il va falloir du coup que tu mettes carrément des. Là, que tu bouches les vitres, hein, si tu veux. Allez, allez, faut beaucoup boucher les vitres. Bon, par contre, les en une ou deux quand même, sinon tu verras rien du tout. Enfin, non, en fait, t'en as pas besoin carrément, toi. Zéro carrément, zéro, ah, il est chaud. En tout cas, les potes, n'hésite pas à me dire hein, dans les commentaires sur les autres vidéos avec ça, le clown. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu fais du coup bah, dans cette salle en fait? Genre, c'est quoi un peu le but de cette salle? Elle est immune, et changement de la force aussi. Et le but de cette salle, bah. Moi, je fais des choses, je vois très bien, hein. Ah ouais, tu fais des petites choses, on sait un peu ce que tu fais, tu vois. On sait le genre de choses que tu manigances. Hop là, bah voilà, franchement, là, directement, ça m'a l'air déjà un peu plus sombre. Ok, je pense que là, du coup, tu commences à... Eh, en plus, on peut se cacher là-dedans, t'as vu, on peut... On peut se mettre à couvert. En tout cas, c'est cool. Et du coup, c'est qui ta prochaine victime, alors, salut clown? Bah, elle est juste en face de moi. Ah bon, elle est juste en face de toi? Bah franchement, j'aimerais bien, du coup, savoir comment il s'appelle, hein. C'est qui? Il s'appelle Full Boss. Ah ouais. Et du coup là tu vas le choper, tu vas le faire du... Un gros interrogatoire là, c'est ça? Bah tu sais quoi, je vais te laisser avec lui, ça le clown, ok? Sinon moi je m'en vais, ok? Pas de problème, on fait ça? Mais c'est lui. Je te laisse avec lui, ok? Allez, allez, ça... Oh, ouais, ok les potes, c'est bon, il veut... Va voir la grand-mère, ça le clown. Va là-dedans, là, il y a une bonne victime là-dedans. Va voir là-dedans. Ouais, il y a une grand-mère en plus. Oh, on va écouter. Wow. Oh, what? Oh, merci, hein. What? Oh. Oh, qu'est-ce qui fait que la grand-mère, vous pensez? Oh, c'est beau. Wesh. Oh, qu'est-ce que oh, je te laisse. Salut, salut. Oh, je sais pas ce qu'il faisait avec la grand-mère, les potes, mais il y avait l'air du coup d'être content d'être avec elle, franchement. Bon, oh, il me tire dessus, c'est un ouf. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et puis voilà, les potes, c'est Full Boss. Allez, ciao, ciao.